Bonjour à tous les unboxers, nous sommes aujourd'hui le 7 décembre. Et le 7 décembre, c'est la suite du 6 décembre. Oui, et du calendrier de l'Aventon. Du marathon des calendriers de l'Avent. Oui, si toi aussi tu aimes les calendriers de l'Avent, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Sur le chemin, tu rencontreras le bouton s'abonner. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas proposé de vous abonner. Je crois que c'était hier, la dernière fois. Oui, et sur les stats, on voit que vous êtes encore 33% à ne pas être abonné. Voilà. Et à suivre ce magnifique calendrier de l'Aventon sans être abonné. Et donc, on va forcément poursuivre avec les Lego. Avec le truc décevant, hein. Peut-être même qu'on peut savoir que le 7, il est là en bas. Tout en bas à gauche. Dans la photo. Ouais, ouais, et bah, effectivement. Même à l'arrière du truc, on le sait. On a encore le même... C'est vraiment décevant, vraiment les goûts. Ouais. Ah, attends, attends. Ouais. Devine quel est ce super-héros. Dis-nous en commentaire si tu as trouvé qui... Avec un haut jaune. Bah, c'est un haut de Noël, on dirait. Ah oui, comme... Ouais, il est en mode ski, comme Tony. Par contre, Black Widow, elle avait pas de haut custom, elle. Ah ouais, Black Widow, elle est sérieuse, elle est avec sa combinaison moulante en moulant dans la texte. Avec tous ses hommes. Est-ce que on n'est pas sur beaucoup de pièces? Est-ce que je vais pas? C'est pas moi qui vais faire celui de Harry Potter. Ah mais je pense que tu peux déjà l'ouvrir. Hein. Alors je sais pas, peut-être que je vais mettre du temps à ouvrir ce Spider-Man. Ah, j'ai vraiment peur d'avoir deux mains. Ouais, je crois que je vais avoir peur. Si toi aussi tu penses que demain je vais juste avoir les accessoires de Spider-Man, dis-le en commentaire parce que à mon avis demain j'ai que les seuls accessoires de Spider-Man. Je crois. Ah merde, j'avais oublié le montage, j'étais en train de me demander où est-ce que c'était, mais c'est là. Attends. Ah, c'est un churros! J'étais en train de me demander ce que c'est! Un churros? C'est un churros! Spider-Man boit un café et mange un churros! Moi, je ne pensais pas pouvoir sortir cette phrase-là un jour dans ma vie, mais. Mais oui! Ouais! Là, voilà, je monte le churros dans une tasse. Spider-Man, il a sa tasse. Mais j'ai vraiment peur qu'en fait, demain, j'ai juste trois toiles de merde à monter, tu sais. Celui de Star Wars a l'air plus fun quand même, hein. On va pas se mentir. Toi, t'as des trucs à monter, quoi. Moi, voilà, Spider-Man, il est fait. Et il est même pas sexy, quoi. Moi, je pense qu'il va filer des coups de churros à Tony Stark aussi. Bon, alors, Harry Potter. On va chercher où est cette étape 7, hein. Genre, pas du tout en bas à gauche. Moi, c'est un drapeau. Un drapeau feu ? Du chaudron, je sais pas quoi. Chaudron baveur ? Ben, je pense, mais j'arrive pas à lire parce que... parce que flemme. The Leaky Caldron. Cauldron. Donc ça, du coup, ça doit vouloir dire baveur. Leaky ? Ouais. Même avec les deux trucs, j'ai pas autant de pièces que toi. On vous fera un récap à la fin de tout ce qu'il y a, hein. Vous inquiétez pas parce que ouais, c'est vrai que vous dites sûrement mon dieu mais qu'est-ce qu'ils ont au final. Vous avez raison de vous dire ça. D'ailleurs dites-nous mon dieu mais qu'est-ce que vous avez au final dans les commentaires. On vous demande vachement de commenter aujourd'hui. Hop, aujourd'hui c'est exceptionnel, on est le 7, ça arrive quand même qu'une seule fois dans l'année d'être le 7 décembre de cette année. Je crois même que ça arrivera qu'une seule fois d'être le 7 décembre 2021. Du coup, en cet honneur, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez un calendrier de l'Avent. Et si oui, lequel ? Parce qu'on vous a demandé de nous partager vos photos. Mais. T'as un peu de mal. Hein. Oui. Oui, oui. Du coup, bah, partagez-nous vos photos et puis dites-nous si vous avez un calendrier de l'Avent. Pendant qu'il fait ça, pour vous raconter ma vie, demain je vais chez le médecin, donc avec un peu de peau. D'ici le 24, je serai guéri. Qu'est-ce que je peux vous raconter pour vous raconter ma vie aussi? Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait un KFC. T'as fait un KFC? Ouais. C'est pas chier. Non, c'est pas chier. Quoi d'autre? Bah, on est allé promener la mascotte, il fait nuit tard, nuit tôt.
c'est chiant. Bah, comme tous les 7 décembre, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tu peux monter plus vite parce que j'ai pas grand chose à raconter. Je fais ce que je peux, hein. J'ai pas grand chose à raconter. Vraiment, c'est pas que c'est mon kiff de monter c'est... ce truc-là en, à deux à l'heure. Hein. C'est vrai? Je t'assure. Je fais de mon mieux, mais de mon mieux, c'est pas grand chose. T'avais pas vraiment envie de le monter plus vite? J'aurais même douté que Star Wars, c'était la douille. C'est bientôt bon. Non, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire sur ma vie pendant qu'il monte son truc? Est-ce que tu es Charlie? Oui, j'ai toujours été Charlie parce que c'est presque mon deuxième prénom. Mon deuxième prénom, c'est Albert. Du coup, si tu changes 4 lettres à Albert, ça fait Charlie. Et tu as l'air d'avoir bugué, alors pas sur mon prénom, mais sur ce jouet Lego. Ah oui, t'as carrément l'air d'avoir bugué en fait. Hein. Genre même pire que ça, je crois que j'ai déjà vu des gens moins buggés que ça. Ah non, mais j'ai compris. J'ai mis du temps, mais j'ai compris. Et voilà. Je sais pas ce que j'ai construit. Sûrement un vaisseau comme tout à l'heure. C'est il est un peu joli celui-là. Ouais. Il a l'air un peu chiadé par rapport aux autres. Et voilà. Que de pièces en rab. C'était rapide. Ouais. On passe à Back to the Future. Yes. Est-ce qu'on voit d'ici ma... Ouais, je vois d'ici mon numéro 7, moi. Toi aussi, je le vois. Hop là. Hop. Toc. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le set? Ah, ça doit être pour Jocelyne. On n'avait pas pour, je, pour Marty, en fait, pas du tout pour Jocelyne. Parce que rappelez-vous, hier, on a eu Marty McFly de mon côté. Marty McFly du passé, très passé. Du plus que passé, on avait dit, je crois, tout dans le genre. Du coup, aujourd'hui, on lui a un chapeau de cow-boy, type, j'allais dire Daft Punk. Village People, on lui met deux petits bracelets parce que pourquoi pas. Toi aussi c'est des accessoires pour sa maman. Exactement. Hop. C'est des accessoires safe for work. For work. Et oui, parce que pourtant on la connaît pour d'autres trucs. Et un petit foulard. Hein. Parce qu'il aime bien être foulardisé. Ouais, là il se transforme vraiment en Village People. Là. Ça fait pince un peu, hein. On donne un personnage et le lendemain on donne les accessoires du personnage. Ça fait un petit peu pince, ouais. Est-ce qu'on a une idée de combien coûtent ces trucs là? Je sais plus, c'était. Faudrait demander à la prod. C'est... Parce que là, là, ouais, je veux dire, un chapeau, deux manchettes et un foulard. Bah, tu vas me dire, c'est un peu moins pire que la pierre tombale et, ouais. Et la déclaration des droits de l'homme. Voilà, le Playmobil le ferme. Hier, j'ai monté ça, je crois. J'ai monté le clapier. Du coup, c'est à toi de monter les vaches. Enfin, je sais pas si c'est dur, mais on va voir. Et moi, j'ai un tout petit truc là-haut. Hier, t'as vu quoi? T'as vu le mannequin, je crois. Ah oui, je sais. Je me suis dit, je me suis spoilé, mais j'avais oublié depuis hier. Je sais. Je vais... C'est peut-être un des pires cadeaux qu'on a eu jusqu'à maintenant. Côté Novel Mort. Et on en a eu des pires. Et on en a eu des pires côté Lego, mais on a ici une magnifique serpillière, en fait. Voilà, avec un seau d'eau. Vraiment, en deux mots. Hop. Du coup, voilà, on a un seau rempli d'eau qui brille. Et une serpillière pour serpillérer le château. Parce que les sages. Alors, fun fact, il s'avère qu'au Moyen-Âge, eh ben, il y avait déjà de la poussière. C'est vrai? Ben, aïe, je l'ai entendu dans un documentaire, Kaamelott, je sais pas si t'as déjà vu, oui, ça oui, passait oui, sur oui. M6 à l'époque. Et voilà. Toi, t'as eu quoi? Moi, j'ai eu le copain de Martine à la ferme et du foin. Enfin, ils peuvent pas se rouler les bialoches, parce qu'ils ont l'air de bien s'aimer. Non, c'est assez tué, hein. Un Playmobil? Oui, ils sont ordinaires. Ouais, ils sont un câlin alors. Les câlins, c'est cool. Et puis on et passe, donc, pour finir.
Est-ce qu'on aura des chocolats aujourd'hui? En ce 7 décembre. Qui est, je crois, par le bas. Ouais, il est là, j'avais mis le jour. On a un petit chocolat avec une banane tranquille. Une banane lunaire. On l'a déjà eu celui-là. Oui. Du coup, voilà. On l'a chauffé. Ouais. Pas du chocolat, pas du quoi. Merci à tous les unboxeurs de nous suivre dans ce calendrier de l'Aventon. Ouais, d'être aussi assidus tous les soirs à la même heure pour nous voir. On voit que petit à petit on remplit un peu la scène. Ouais. Ça commence à être un peu chargé. Et on est qu'au 7. Donc à demain pour de nouvelles aventures. À demain. Salut. Découvrons ensemble le marathon du calendrier de l'Avent. Découvrons ensemble le Laventon. Thank you.